Thank you.
Bonjour à toutes et tous. On est bien ravis de vous accueillir dans ce webinaire sur les déficits du cycle de l'urée. Et j'ai le plaisir de dire on parce que je ne suis pas seul. Moi, je m'appelle le docteur Driss Doblard. Je suis coordonnateur du Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme à Lille. Et je me permets de vous présenter à ma droite le docteur Esther Noël, médecine interne et métabolicienne adulte, côté adulte, à Strasbourg. À côté de Esther, il y a Claire Beloche, qui est diététicienne dans le service de l'hôpital Necker CHU à Paris. À ma gauche, il y a le docteur Florence Lacaille, pédiatre et hépatologue au CHU de Paris à Necker. Et à côté, il y a le professeur Jean-François Benoît, qui est biochimiste également à Necker Paris. Donc vous voyez, on est cinq. Il y a le côté pédiatrique, côté adulte, le côté diététique, le côté greffe et surtout aussi le côté plateau technique. Alors, tout d'abord, on va commencer par vous expliquer un tout petit peu au début, si ça marche. Donc, les déficits du cycle de l'urée, c'est des pathologies qui appartiennent à ce qu'on appelle des maladies héréditaires du métabolisme. Donc, ce diapo montre un tout petit peu quelques exemples des maladies héréditaires du métabolisme. Il faut savoir qu'il y en a plus de 800 maladies métaboliques différentes, donc on n'a pas pu mettre tout. Le but de ce diapo, c'est à gauche. Il y a donc le métabolisme des protéines, métabolisme des sucres, qui peuvent être classifiés comme des maladies d'intoxication, c'est-à-dire il y a un déficit enzymatique et en amont, il y a une substance qui s'accumule et qui intoxique en fait le corps humain. À la droite, en haut, vous voyez quelques maladies qui touchent le métabolisme énergétique, c'est-à-dire, le mot le dit, ils sont en manque de capacité de produire suffisamment d'énergie, genre glycogénose, déficit de l'oxydation des acides gras, etc. Et à droite en bas, on a ce qu'on appelle le métabolisme qui touche en fait la synthèse ou la dégradation des molécules complexes, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc en fluo, on avait mis hyperammoniémie, NH4, et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ammoniac, qu'on produit tout, l'ammoniac vient d'où? Ça vient des acides aminés, le mot le dit aminé, azote. Et les acides aminés sont en fait les briques qui constituent en fait les protéines. Les protéines sources alimentaires les plus riches, c'est ce que Claire va vous expliquer tout à l'heure plus en détail, c'est comme de la viande, poisson, etc. Je ne vais pas aborder ce sujet, c'est tout à fait à Claire, d'où l'intérêt de sa présence ici. Après, donc, le cycle de l'urée, il le dit lui-même, il va prendre donc l'ammoniac qui est neurotoxique. Donc, vous voyez deux molécules NH3 qui vont se coller au fur et à mesure quand on avance dans le cycle pour former à droite en bas deux molécules d'azote qui sont donc le urée qui est non neurotoxique. Au final, donc, le cycle de l'urée, qui d'ailleurs est exclusivement hépatique, il sert à détoxifier notre corps de l'ammoniac neurotoxique vers l'urée non neurotoxique qui est excrétée dans les urines. Donc tout déficit de ce cycle de l'urée peut entraîner ce qu'on appelle hyperammoniémie, trop d'ammoniac dans notre corps avec toutes les conséquences dont on va parler tout à l'heure. Donc, fonction du cycle de l'urée à votre droite, c'est donc détoxification de l'ammoniac, mais également un rôle dans la synthèse de l'arginine. Il constitue de 5 enzymes, ce qu'on appelle en anglais CORE, donc c'est le carbamyl phosphate synthétase, le déficit en ornithine transcarbamylase, la arginine en succinyl synthétase, l'arginine en succinyl lyase et l'arginase. Il y a un enzyme qui est allostérique stimulateur, c'est le
N-acétylglutamate synthétase qui va former de l'N-acétylglutamate. Je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez la N-acétylglutamate qui va stimuler en fait le carbamyl phosphate synthétase. Et après, il y a le ORNT, c'est le transporteur au niveau du membrane mitochondrial qui permet le transport ou le transfert de citrulline et l'ornithine. Voilà, très abrégé, parce qu'on va surtout avancer dans la clinique de ce déficit du cycle de l'urée. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Et donc, moi, je vais prendre le côté pédiatrique en tant que clinicien. Après, il y a le docteur Estelle Nouel qui va prendre la parole pour le côté adulte, parce que on parle bien entendu des enfants et des adultes. La présentation néonatale telle qu'elle a été décrite il y a plusieurs décennies, tout au début presque des services des maladies métaboliques, c'était le nouveau-né qui est né après une grossesse normale, à terme en général, qui est né avec des bons paramètres oxologiques, bon poids, etc. Donc il va se mettre à boire, soit au sein, soit un lait infantile. Et au fur et à mesure, il va s'intoxiquer par les protéines qui sont présentes dans le lait. Donc, acide aminé, donc azote, l'azote qui n'est pas détoxifié, qui devient neurotoxique. Et qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? Le bébé, après un intervalle libre de 24 heures, il va se présenter comme un enfant qui suce moins, qui va être somnolent, qui va être mou. Peut-être d'abord une hyper, puis après hypoventilation, puis hypertonie, hypotonie, des convulsions et finalement coma. Donc ça peut aller très 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 vite et c'était en fait une des premières descriptions des déficits des déficits du cycle de l'urée. Maintenant, depuis plusieurs années ou après des décennies, l'histoire clinique naturelle est complètement différente et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de formes tardives, voire même adultes. Donc la présentation infantile, juvénile, c'est très... le message clé ici, c'est des symptômes qui sont en fait très asymptomatiques, non spécifiques, pardon. Et donc, ça peut se présenter sur le plan hépatique digestif avec des difficultés alimentaires, avec une somnolence, un enfant qui devient asthénique, qui vient aux urgences, qui boit moins bien, vomissement, et qui va altérer son état général. Les symptômes peuvent évoluer soit vers le mauvais côté, c'est-à-dire il va s'empirer, il va s'aggraver, soit d'une façon avec un enfant par exemple qui se met à vomir, on met une perfusion, ça se remet en ordre et puis l'enfant peut partir. Ça c'est tout à fait également possible. Donc les symptômes en gros, on peut les classer en trois, c'est-à-dire neurologiques non spécifiques avec troubles du tonus, encéphalopathie, des convulsions, hyperventilation. Et les autres symptômes, c'est plutôt de côté hépato-gastro-intestinaux ou même psychiatriques. Des formes exclusivement psychiatriques existent également avec des hallucinations visuelles, comme vous allez voir plus tard. Je passe en fait la parole au docteur Esther Noël. Esther, à toi pour le côté adulte. Alors, le diagnostic des cycles de l'urée chez l'adulte se fait lors de deux occasions, soit lors d'une décompensation aiguë, comme on a pu le voir chez les enfants, soit après enquête familiale. En fait, lors d'une décompensation aiguë, ce sont surtout des femmes, mais ce sont majoritairement des déficits en OTC, qui se manifestent essentiellement par des troubles de la conscience et des symptômes psychiatriques, qu'on reverra tout à l'heure. Et en fait, la plupart des cas, il y avait des signes préalables évocateurs de décompensation qui étaient passés inaperçus. L'alimentation est spontanément végétarienne dans deux tiers des cas. Et la variabilité de la sévérité de la maladie est expliquée par l'inactivation aléatoire d'un des deux chromosomes X. Alors, je vais faire un petit point. Ça concerne évidemment le déficit en OTC qui est porté par le chromosome X. On a tous une inactivation aléatoire d'un X au stade relativement précoce de l'embryogenèse.
Et cette, comme c'est aléatoire, on a à peu près 50% de X paternel représenté, 50% de X maternel, ce qui fait que la femme est une mosaïque pour le X. De temps en temps, on a une distribution biaisée, c'est-à-dire qu'il y a un X d'origine parentale particulier qui est exprimé à plus de 75 ou 80% des cellules. Ce qui fait que dans ce cas-là, si le X porteur de la maladie est exprimé de manière préférentielle, ça fait une maladie chez la femme qui est identique à celle à du garçon, et donc une maladie grave. Et à contrario, à l'autre bout du spectre, avec un ratio inverse, on a une maladie qui est pratiquement bénigne. L'autre grande cause de diagnostic chez l'adulte, finalement, c'est l'enquête familiale après découverte d'un diagnostic chez l'enfant. Et c'est encore toujours, c'est exclusivement en fait des diagnostics en OTC. C'est des adultes qui sont en fait considérés comme asymptomatiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été diagnostiqués au préalable. Mais en fait, quand on se penche un petit peu sur les symptômes, ils avaient des symptômes épisodiques de décompensation aiguë ou des symptômes chroniques dans plus de 50% des cas. Ce qui fait que donc, cette DIA est valable pour l'adulte ou pour l'enfant, mais en fait, on a probablement moins la culture métabolique encore un petit peu chez l'adulte que chez l'enfant, mais un dosage d'ammoniémie devrait être fait en première intention pour tout trouble de la conscience non immédiatement expliqué ou survenant de manière inattendue au cours de la prise en charge bien conduite d'une condition catabolisante. Alors, on vient à la présentation clinique aiguë, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a essentiellement des symptômes neurologiques, digestifs, hépatiques, psychiatriques, et il y a une petite particularité chez le nouveau-né. Au niveau neurologique, on parle surtout donc de l'altération au niveau de la conscience, allant de somnolence, léthargie ou coma, vers une vraie encéphalite qui peut même mimiquer une intoxication médicamenteuse. Des encéphalopathies aiguës existent également, un diagnostic différentiel avec le herpétique. L'encéphalopathie herpétique est très souvent évoquée. Il y a également des convulsions, une ataxie, des épisodes de pseudo-AVC. Voilà, au niveau digestif, c'est surtout, des vomissements incoercibles et plutôt récurrentes et perte progressive de l'appétit. Une insuffisance hépatique, c'est moins vu, moins fréquente. Au niveau psychiatrique, c'est surtout des hallucinations, paranoïa, des épisodes maniaques. Au fur et à mesure que la journée passe, la fréquence est plutôt le soir quand les patients s'intoxiquent par le fait de manger dans la journée. Chez le nouveau-né, il y a très souvent ce tableau de somnolence, un enfant qui suce moins bien, qui devient mou. Il y a le diagnostic différentiel avec la septicémie et il y a également cette hypothermie qui peut faire évoquer une septicémie, mais il ne faut pas passer à côté donc, d'un déficit du cycle de l'urée. Au niveau de la présentation chronique, je passe la parole également, encore une fois, à ma collègue Esther. Donc, on retrouve les trois tableaux neurologiques, digestifs et psychiatriques dans les signes chroniques de symptômes liés à un déficit en cycle de l'urée, avec au niveau neurologique donc une confusion, une léthargie, des étourdissements. On peut aussi avoir des céphalées pseudo-migraineuses, des tremblements, de la taxine, dysarthrie, un astérixis chez l'adulte. Des troubles de l'apprentissage avec un retard neurodéveloppemental, une chorée, une paralysie cérébrale, une cécité corticale prolongée, des diplégies, quadriplégies plastiques progressives. Voilà. Au niveau digestif, très souvent, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est qu'il y a une aversion pour les protéines avec des régimes hypoprotidiques volontaires mais non conscients liés au déficit en cycle de l'urée, avec des douleurs abdominales et des vomissements. Chez l'enfant en retard de croissance, si on trouve on peut trouver une hépatomégalie, une élévation des enzymes hépatiques hors des compensations aiguës.
les symptômes psychiatriques. Alors, c'est des symptômes-là qui peuvent soit être isolés, soit se mélanger les uns avec les autres ou se surajouter les uns aux autres. Donc, les symptômes psychiatriques avec une hyperactivité, une altération de l'humeur, une altération du comportement, une agressivité, avec mise en danger de soi, symptômes pseudo-autistiques, avec peut-être un petit profil particulier neuropsychologique chez la femme porteuse du déficit en OTC. Les cheveux fragiles sont caractéristiques de l'ASL, du déficit en ASL. Et ce qu'on peut dire de ces symptômes, c'est qu'ils sont généralement épisodiques, qui sont plutôt épisodiques en fait, qui ne sont pas forcément tous constants, sauf dans certains cas, bien évidemment, les cheveux fragiles ou les retards neurocognitifs qui progressent. Mais on peut avoir plutôt des signes qui évoluent de manière fractionnée, on va dire, dans le temps. Alors, les facteurs qui favorisent les crises hyperammonémiques chez les patients UCD, qui ne sont pas en mode de décompensation, on l'a bien compris, permanent, en fait, hein, sont des facteurs soit catabolisants, tels que les infections, la fièvre, des vomissements, des diarrhées, les hémorragies internes ou gastro-intestinales, des diminutions d'apport protéique ou énergétique, notamment lors des jeûnes préopératoires ou de la perte de poids majeure chez le nouveau-né, des chimiothérapies, des fortes doses de glucocorticoïdes, des exercices physiques intenses ou prolongés, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale. Il peut s'agir, à contrario, d'apports excessifs en protéines, l'un n'excluant pas l'autre, hein, avec une alimentation riche en protéines, notamment d'origine animale, ou une nutrition artificielle qui est inadaptée. Certains médicaments sont pourvoyeurs d'hyperammonémie sévère dans des déficits en cycle de l'urée, donc le valproate, la L-asparginase ou la P-gasparjase, des traitements neuroleptiques, la carbamazépine, je ne vais pas les citer, vous les voyez, la primidone, les traitements diurétiques, le furosémide, l'hydrochlorothiazide, les salicylés également. Chez l'adulte, alors il y a des petites spécificités évidemment chez l'adulte, hein, qu'on ne va pas retrouver chez l'enfant, donc les régimes avec perte de poids rapide, les régimes amaigrissement et la chirurgie bariatrique, notamment par bypass et l'anorexie. Alors, une particularité de l'adulte, évidemment, c'est la grossesse. La décompensation peut se manifester à n'importe quel moment de la grossesse, mais en fait, elle reste relativement exceptionnelle. Il y a deux facteurs de risque de décompensation, soit l'hyperémésis gravidarum, soit le péri ou le postpartum, en sachant que, en fait, c'est surtout des cas cliniques de la littérature et que les compensations prédominent très largement plutôt en postpartum. Et ceci, ça peut se prolonger jusqu'à 14 jours après l'accouchement. C'est dû au catabolisme lié à l'accouchement lui-même et également probablement à l'involution utérine pourvoyeur de relargage massif de protéines. Et évidemment, c'est essentiellement décrit chez des patientes atteintes d'un déficit en OTC. Les symptômes sont généralement plutôt de type neurologique aigu. Et alors là, le symptôme qui prédomine, on l'a bien compris, c'est la confusion, les troubles de la conscience, apparemment inexpliqués, ou alors ça mime très souvent une psychose puerpérale. Le déficit en cause peut être connu, mais en fait considéré totalement comme asymptomatique, y compris pendant la grossesse, et ne pas être forcément complètement pris en charge correctement comme un déficit en cycle de l'urée. Par contre, les complications hépatiques classiques de la grossesse, la prééclampsie et l'insuffisance hépatique ne sont pas plus fréquentes chez ces patientes. Voilà, donc ça c'est le côté clinique, enfants et adultes, et on ne serait rien si on n'avait pas un plateau technique qui est performant et fiable. Et donc c'est avec plaisir que je passe la parole au professeur Jean-François Benoît de Necker Enfants Malades à Paris. Jean-François, qui est biochimiste. Merci Idriss. Donc on l'a déjà dit, le point clé ici et le point commun, le marqueur commun à tous ces déficits du cycle de l'urée, c'est l'hyperammoniémie. Et finalement, le dosage de l'ammoniac est quelque chose qui devrait être totalement banal dans un laboratoire de biochimie et qui est probablement le paramètre le plus difficile à doser. Difficile non pas parce qu'il est compliqué en soi, mais parce qu'il y a beaucoup de causes d'augmentation secondaire de cet ammoniac. Donc on va revenir dessus. C'est le marqueur commun à tous les déficits, mais son intensité d'augmentation est extrêmement variable. La dynamique de variation de cette ammoniémie est elle aussi très variable. Ça peut aller très très vite, comme on l'a dit tout à l'heure, chez un nouveau-né. Tout comme on peut avoir des évolutions cycliques, lentes,
qui sont souvent scandés par les repas et qui vont fluctuer au cours de la journée. Il faut aussi savoir que cette augmentation d'ammoniémie n'est pas spécifique des déficits du cycle de l'urée, et on en parlera quand on fera les diagnostics différentiels. Et puis un point clé très important pour doser correctement cet ammoniac, c'est que le taux d'ammoniac est un marqueur pronostique à la fois dans son intensité, plus le pic est élevé, plus il y a de risques de séquelles neurologiques, et par rapport à la durée d'exposition de cette hyperammoniémie. Donc, je ne vais pas répéter, ça a été dit, mais finalement, c'est un dosage qui devrait se faire dans toute situation où on a une altération de la conscience qui est inexpliquée et qui, par conséquent, doit accompagner un dosage rapide de cette ammoniémie et un contrôle rapide de ce dosage en cas d'augmentation, étant donné l'évolution rapide dans un certain nombre de cas. Donc, je l'ai dit, c'est une difficulté, finalement, quand même, dans les laboratoires, même si je pense qu'aujourd'hui, en 2022, pratiquement tous les laboratoires des centres hospitaliers qui, au moins, ont une réanimation, font ce dosage. Il y a beaucoup de causes qui vont entraîner des faux positifs, des fausses augmentations de ce dosage, et notamment quelque chose de tout à fait basique, c'est que les conditions de prélèvement de cet examen-là, qui est un examen de routine, sont assez contraignantes. Il ne faut pas dépasser un délai de 20 à 30 minutes après le prélèvement avant de pouvoir faire le dosage au niveau du laboratoire. Le tube doit être le plus rapidement placé à 4 degrés. Pourquoi ? Parce que dès qu'on augmente le temps, dès qu'on augmente la température, on va libérer, à partir notamment des acides aminés, un ammoniac. Or, l'ammoniémie, on n'en a pas trop parlé, mais sa concentration normale est de 50 micromolaires, ce qui est quelque chose de très faible, et le moindre acide aminé dans l'organisme est pratiquement à la même concentration, jusqu'à 10 fois supérieure, par exemple pour la glutamine, qui a tendance très rapidement à libérer l'ammoniac. Donc, un prélèvement délicat avec un garrot qui a été plus compliqué va encore une fois augmenter la valeur de l'ammoniémie, et puis tout un tas d'interférences que je vous ai citées ici, mais toujours est-il que c'est à faire très attention, c'est le rôle du biologiste et du clinicien de prendre en charge tous ces événements qu'on appelle pré-analytiques pour garantir le bon résultat de l'analyse. Et enfin, il faut savoir que de l'ammonium ou de l'ammoniac, elle est présente essentiellement sous forme d'ammonium dans l'organisme, eh bien, il y en a un peu partout. Il y en a sur les surfaces de tous nos paillasses à l'hôpital qu'on désinfecte avec des produits qui contiennent de l'ammoniac. Il y en a dans la fumée de cigarette, on s'intoxique notamment à cause de ça quand on fume. Bref, il y a beaucoup de raisons d'avoir une augmentation non spécifique de l'ammoniac. Je vous ai représenté ici les valeurs normales de l'ammoniémie avec un petit focus sur le nouveau-né. Pendant 24 à 48 heures, on tolère et on accepte des valeurs de l'ammoniémie de l'ordre de 100 micromolaires, voire un petit peu plus chez certains prématurés. Puis très rapidement, au bout de quelques jours, on atteint les valeurs qu'on a chez l'adulte de 50 micromolaires. Donc toute élévation de l'ammoniémie, compte tenu du risque toxique très rapide qui va survenir, doit engendrer un contrôle, et un contrôle qui doit se faire rapidement. Et la meilleure façon de garantir ça, c'est d'appeler son collègue clinicien, de lui dire « écoute, j'ai une hyperammoniémie, il faut absolument la contrôler rapidement ». Et ça doit être fait généralement dans l'heure qui suit pour être sûr de ne pas laisser cette ammoniémie évoluer de façon anormale. Et bien évidemment, devant toute hyperammoniémie, on va mettre en route un diagnostic, une démarche diagnostique pour essayer d'identifier la cause de cette hyperammoniémie. Cette démarche diagnostique, bien sûr, se fera toujours en interaction avec le clinicien, puisque les données cliniques sont quand même au premier plan. On a présenté les signes cliniques tout à l'heure, on a vu qu'ils n'étaient pas forcément très spécifiques, mais malgré tout, ils sont là. On va s'aider d'un bilan biologique standard, que je ne vais pas détailler, qui est le bilan biologique qu'on fait à l'entrée de pratiquement tout malade en situation un petit peu aiguë, et qui va nous aider à orienter les causes principales des hyperammoniémies qui sont le plus souvent, des causes secondaires. Alors j'entends par causes secondaires des causes non génétiques. Et dans un deuxième temps, après avoir éliminé ces causes secondaires, on en viendra aux causes génétiques des hyperammoniémies. Quelles sont ces causes secondaires ? Bien, il s'agit d'un cycle, on l'a dit tout à l'heure, essentiellement hépatique. Donc tout dysfonctionnement de la fonction du cycle, du foie qu'on appelle donc l'insuffisance hépatocellulaire de façon très large, peut engendrer une hyperammoniémie, mais également des problèmes anatomiques avec, par exemple, le chien de porte-cave, et puis des situations particulières qu'on trouvera soit chez l'enfant, soit chez l'adulte. En période néonatale,
On a évoqué tout à l'heure le diagnostic différentiel majeur qui est celui de l'infection néonatale, mais certaines malformations néonatales vont engendrer des hyperammoniémies. On sait que du fait d'une maturation d'un certain nombre d'enzymes, il peut y avoir des hyperammonémies transitoires chez le nouveau-né qui vont assez vite rentrer dans l'ordre. On a une situation qui n'est pas commune, mais qui est importante à connaître et à identifier, c'est la pullulation ou l'infection de bactéries uréas positives, puisque l'ammoniac est détoxifié en produisant de l'urée, et l'urée peut être à son tour dégradée par un certain nombre de bactéries dans l'organisme et reformer de l'ammoniac. Donc le travail du foie est en quelque sorte détruit quand il y a pullulation de ces bactéries-là, qui vont engendrer une hyperammoniémie alors que tout fonctionne théoriquement correctement dans l'organisme. On a déjà évoqué les causes iatrogènes qui peuvent induire une hyperammoniémie principalement donc médicamenteuse, je ne reviens pas dessus. Certaines, et c'est plutôt anecdotique, intoxications de type exogène comme certains champignons, je vous ai mis ici la manie de phalloïde, mais enfin ça reste exceptionnel. Et on a évoqué les facteurs aggravants, sûrement sur des situations où on a un foie déjà un petit peu fragile, d'hypercatabolisme chez l'adulte dans les régimes avec perte de poids très importante, la chirurgie bariatrique ou un certain nombre de tumeurs pour lesquelles on peut rencontrer une hyperammonémie. Une fois que ces causes secondaires ont été écartées, va alors devoir se poser le problème de la cause génétique, beaucoup plus rare, hein, j'insiste, et pour ça on va avoir besoin de réaliser des examens spécialisés. Il y a trois grands types d'examens spécialisés qu'on fait en première intention, qui sont la chromatographie des acides aminés plasmatiques et urinaires, dans ce cas-là, ça peut avoir un intérêt, la chromatographie des acides organiques urinaires et le profil des acides carnitines, ou le dosage plus exactement des acides carnitines sanguins. À ça, très souvent, vous verrez associé le dosage de l'acide orotique sur lequel on reviendra tout à l'heure. Pour autant, dans les causes génétiques, on n'a pas que les déficits du cycle de l'urée qui sont responsables d'hyperammoniémie. Les cycles de l'urée sont bien évidemment les déficits de ce cycle au premier plan des maladies engendrant des hyperammoniémies massives, mais d'intensité variable. Mais on trouve également les aciduries organiques, les déficits de l'oxydation des acides gras et un certain nombre de cytopathies mitochondriales. Donc on le voit, pour mener à bien ce diagnostic, il va nous falloir l'ensemble des examens que j'ai cités tout à l'heure, et en l'occurrence la chromatographie d'acide organique urinaire et le dosage des acides carnitines vont nous permettre d'écarter ou du moins d'orienter le diagnostic vers une aciduria organique ou un déficit de l'oxydation des acides gras, alors que de l'autre côté, la chromatographie des acides aminés plasmatiques, le dosage de l'acide orotique vont permettre d'orienter le diagnostic vers un déficit du cycle de l'urée et d'aller dans un certain nombre de cas pratiquement au diagnostic. Le cycle vous a été présenté rapidement tout à l'heure par Driss. Je ne reviens pas sur le fait qu'il y a donc un certain nombre d'enzymes. Je rappelle juste le principe général dans les maladies métaboliques. C'est que là où il y a un blocage enzymatique, quelle que soit l'enzyme, les composés en amont du blocage ont tendance à s'accumuler. Ceux en aval ont plutôt tendance à diminuer. Et on va s'aider de ces variations-là pour interpréter le lieu potentiel du blocage. Et on va s'aider de l'acide orotique qui figure en jaune et en bas sur cet écran, parce que dans les mutations des enzymes mitochondriales, c'est mon encadré ici, puisque le cycle a la particularité d'avoir des enzymes dans deux compartiments dans la cellule, la mitochondrie et le cytosol. Donc dans les déficits des trois premières enzymes contenues dans la mitochondrie, on peut ne pas avoir d'accumulation de carbamide phosphate, qui est un intermédiaire ici médian dans mon schéma, tout comme on peut en avoir si jamais on a un déficit en OTC, et on aura une accumulation de ce carbamide phosphate dans les déficits cytosoliques. Si ce carbamide phosphate, qui est ici signalé sous le nom de CP, s'accumule dans la mitochondrie, il peut sortir de cette mitochondrie et rejoindre une voie cytosolique commune que tout le monde a, qui fonctionne tout à fait normalement dans ce cadre-là, qui est la synthèse des pyrimidines, et donner lieu à ce moment-là à une production importante d'acide orotique ou encore orotate, qui va nous aider dans un diagnostic différentiel à voir s'il y a ou non accumulation de ce carbamide phosphate, car c'est l'un des seuls composés qu'on n'a pas sur la chromatographie des acides aminés plasmatiques. Après, je vais vous passer les détails, mais en gros, on prend la voie métabolique et on regarde là ce qui s'accumule, ce qui diminue. On associe ça à la symptomatologie clinique et on a comme ça des arbres diagnostiques. Celui-ci est dédié aux formes à révélation néonatale. On en a des formes adultes. Il y a pratiquement autant d'arbres qu'il y a d'équipes, qu'il y a d'auteurs.
Donc c'est très fastidieux, mais on arrive par dichotomie en suivant de proche en proche l'accumulation ou non de certains acides aminés à un diagnostic parfois de certitude, parfois pas tout à fait de certitude. Et dans ces cas-là, on va avoir besoin, on aura recours à l'étude génétique. C'est le cas pour deux des enzymes mitochondriales pour lesquelles on n'a pas justement ce fameux carbamide phosphate de synthétiser. Et là, la génétique permettra de faire le diagnostic précis d'une de ces deux enzymes. C'est de toute façon une étude génétique indispensable pour proposer un conseil génétique. On a déjà parlé du problème des femmes porteuses dans les déficits en OTC. Et à ce moment-là, on fera une enquête familiale devant tout cas de déficit en OTC, car il y a des sujets qu'on a dit asymptomatiques qui s'ignorent, potentiellement porteurs du déficit, avec une révélation qui peut survenir plus tardivement, alors qu'ils ont été asymptomatiques toute une partie de leur vie. Donc ce diagnostic génétique est maintenant systématiquement réalisé. Il l'est par le biais de panels, par des techniques dites de nouvelle génération, mais peu importe, le principe est d'arriver à un diagnostic génétique pour pouvoir proposer un conseil génétique et une étude familiale dans le cas des déficits en OTC. Ok, merci Jean-François. On passe à la prise en charge. Donc, on est devant un enfant ou un adulte avec une symptomatologie compatible. On appelle le biochimiste, très important. Le biochimiste guette les résultats pour que les résultats soient là au plus vite. Et quand on a les résultats, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est une diapo qui résume en fait les quatre axes thérapeutiques que nous, on a dans notre arsenal. Tout à gauche, alimentaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a Claire Beloche qui va vous expliquer et guider dans cette approche. Médicamenteux, le diapo suivante, je vais vous expliquer un tout petit peu les trois classes. Il y a les chélateurs, il y a des molécules qui stimulent et il y a les molécules qu'il faut supplémenter au cas par cas, bien entendu. Troisième volet, c'est technique, c'est l'épuration extra-rénale de l'ammoniac qui est parfois nécessaire. On va également aborder ça plus loin. Et le quatrième volet, et ça c'est plus à distance, en dehors de l'aigu, et c'est pour ça que le docteur Florence Lacaille est là, la greffe, elle est également possible, puisqu'encore une fois, le cycle de l'urée, il est exclusivement hépatique, donc ça ouvre des portes thérapeutiques par la greffe. Le deuxième volet, les médicaments, il y a les chélateurs, il y a le phénylbutyrate que vous voyez en haut, qui va prendre la glutamine, qui est une fournisseur de l'azote, une des plus importantes au niveau du cycle de l'urée. Quand on a un déficit du cycle de l'urée, la glutamine, elle augmente. On peut donner le phénylbutyrate qui va le chélater. On va former de la phénylacétylglutamine qui va être excrétée dans les urines et ainsi en court-circuit, en fait, le déficit du cycle de l'urée. Il y a un deuxième chélateur qui est le benzoate sodium, qui fait un tout petit peu pareil, mais qui va se chélater à la glycine, un autre fournisseur, pour former de l'épurate et ainsi également court-circuiter le déficit et être excrété dans les urines. La deuxième catégorie que j'ai mis, c'était stimulation. Il y a l'arginine qui va stimuler le N-acétylglutamate synthétase. Donc ça peut être intéressant pour activer le N-acétylglutamate synthétase et la formation de l'N-acétylglutamate pour stimuler le CPS, comme on a dit tout à l'heure. Il y a une autre molécule qui s'appelle le carbamylglutamate, au milieu à droite, qui est capable de stimuler le deuxième enzyme, c'est le carbamylphosphate synthétase. Ce carbamylglutamate est surtout utilisé, pas exclusivement, mais surtout, première indication, c'était un déficit en NAGS, c'est-à-dire incapacité de produire de N-acétylglutamate qui stimule en fait le CPS. Le rôle ainsi est pris ou est fait par le carbamylglutamate. Après, troisième volet, des médicaments, c'est suppléments.
Par exemple, enzyme numéro 3, qui est le fameux déficit en ornithine carbamoyle transférase lié à l'X, quand il est déficitaire, vous pouvez vous imaginer qu'on est en manque de citrulline, qui est plus en aval. Donc, il faut le supplémenter. Ça compte également pour d'autres déficits où il faut supplémenter en arginine. Donc, voilà, en résumant tout ça, on va vers un patient qui est cliniquement peu collé avec un déficit du cycle de l'urée, mais qui présente surtout une hyperammonémie d'étiologie inconnue. Une fois, il faut faire le diagnostic. Je m'adresse et je donne la parole à Esther qui va vous parler donc de l'hyperammonémie aiguë d'étiologie inconnue. Alors là, cette diarrhée reprend un petit peu ce que vous avez déjà dit, Jean-François. En fait, c'est que le pronostic vital et neurologique est fonction de la durée et de la profondeur du coma, qui lui-même dépend aussi de la concentration sanguine maximum et de la concentration maximale d'ammoniac, les deux étant évidemment en relation. Il convient à ce moment-là de commencer, de s'assurer que l'hyperammonémie est réelle avec toutes ces erreurs préanalytiques qu'on a vues tout à l'heure. Mais il ne faut pas attendre le bilan diagnostique dont vous a également parlé Jean-François, qui est donc la chromatographie des acides aminés plasmatiques et ou urinaires, la chromatographie des acides organiques urinaires, le dosage des acides carnitines sanguins avec plus ou moins le dosage de l'acide orotique pour commencer un traitement médical au vu de la gravité de l'évolution neurologique potentielle. Donc sans attendre, on stabilise le patient qui a souvent besoin d'être hydraté en lien avec le réanimateur expert. On arrête l'apport protidique et lipidique. Alors l'apport lipidique est arrêté jusqu'à ce qu'il y a preuve qu'il n'y ait pas un trouble à bêta-oxydation et l'apport protéique est arrêté également de manière évidente, mais pas au-delà de 24 à 48 heures pour ne pas entraîner des déficits qui eux-mêmes aggraveraient la situation sur le plan métabolique. On va administrer du glucose polyionique par voie intraveineuse au moyen d'un soluté hyperosmolaire. Et on va s'adresser alors à des médecins experts en métabolisme qui sont a priori joignables dans les différents centres qui ont été d'ailleurs cités dans le PNDS. On initie ensuite le traitement de première intention spécifique et symptomatique et éventuellement étiologique également concernant la maladie qui par ailleurs aurait entraîné la décompensation métabolique, je pense par exemple à l'infection. Et on va toutes les 3 à 6 heures évaluer l'état neurologique, faire de la biologie avec une ammoniémie et contrôler l'acidose éventuelle. À ce stade, il n'y a pas de critères cliniques et biologiques stricts pour décider de réaliser une épuration extrarénale. C'est un petit peu plus clair dans les déficits en cycle de l'urée, donc des hyperammonémies d'étiologie connue cette fois-ci, dont vous parlera Driss. Alors là, je vous ai mis les posologies de sérum glucosé 10% administré en fonction de l'âge. Ce sera les mêmes posologies à faire devant une hyperammonémie d'étiologie connue, donc un déficit en cycle de l'urée principalement. Ça varie en fonction de l'âge, hein, de 6 mg kilo par heure en dessous de 24 mois, à 5 ml kilo par heure entre 2 et 4 ans, 3,5 ml kilo par heure de 4 à 14 ans, et au-delà de 14 ans, c'est à 2,5 ml kilo par heure, en sachant qu'on a un débit maximum pour ne pas entraîner une surcharge hydrique majeure qui est à 120 ml heure chez le grand enfant et l'adulte. On va y associer un certain nombre de médicaments qui ont, pour les premiers d'entre eux, traité les diagnostics différentiels des cycles de l'urée. Donc la lévocarnyl IV ou PEROS, si c'est possible, à 50 à 100 mg kilo par jour, soit en continu, soit en 3 fois par jour, en sachant que la dose maximale en aigu chez l'adulte est de 12 g par jour. Donc on s'arrête là, on ne fait pas plus. Sinon, si on peut saturer les récepteurs, ça n'a pas tellement d'intérêt. On va administrer la vitamine B12, soit sous forme d'hydroxocobalamine ou sous forme de cyanocobalamine, le plus souvent, parce que c'est ce qu'on a sous la main à ce moment-là, avec une posologie de 1 mg par jour en IM.
dans le cadre de diagnostic étiologique d'une aciduria méthylée malonique vitamine B12 sensible. On va administrer de la biotine à raison de 10 à 20 mg par jour per os pour les déficits en pyruvate carboxylase, soit primaire, soit secondaire. Et donc ça, c'est des médicaments qui sont donnés dans tous les cas. Ensuite, en fonction de l'ammoniémie, on va pouvoir donner également des chélateurs, donc du benzoate de sodium dont vous a parlé Driss, soit IV ou Peros, il existe sous les deux formes, à une posologie de 100 à 250 mg kilo jour, soit en continu de nouveau, soit en 4 fois par jour, avec de nouveau une dose maximum de 12 g par jour. On pourra essayer également le carbaglul, donc le N-acétyl, le glutamate, qui, en cas d'hyperammonémie supérieure à 100, qui va donc permettre d'activer la CPS et éventuellement même faire le diagnostic de déficit en axe à ce moment-là, donc à une dose de charge de 5 mg par kilo, avec des doses d'entretien à 100 mg par kilo par jour en cas de prise. Je prends le relais, parce que là, on passe vers la prise en charge des patients connus. Donc, on a tous des patients, ils peuvent décompenser toujours. Quand on fait le diagnostic, il faut qu'on rédige des certificats d'urgence au cas où le patient décompense lors d'une infection intercurrente, de la fièvre, vomissement ou quoi que ce soit. De toutes les façons, quand le patient il ne va pas bien et il entre aux urgences, tout d'abord, on commence toujours avec une ammoniémie. On appelle le biochimiste et on prend en charge tout de suite l'enfant tel que a décrit Esther tout à l'heure chez les patients inconnus. Là, c'est le grand avantage que ce sont des patients connus. L'ammoniémie doit être récupérée dans l'heure qui vient. Et donc, on aimerait bien travailler en tant que centre de référence avec un hôpital de proximité du patient. Question de gagner du temps, mais un hôpital qui est capable d'assurer ce dosage 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, et avec une capacité de rendre le résultat en moins d'une heure. Alors, le traitement, il est un tout petit peu, comme le disait tout à l'heure Esther, c'est un tout petit peu redire ce qui a été dit. On va bien sûr diminuer, voire arrêter les sources d'azote exogène et endogène, c'est-à-dire alimentation, et traiter le catabolisme. On va donner des chélateurs en fonction de l'état de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs, des chélateurs phénylbutyrate, benzoate sodium en fonction des traitements déjà existants chez le patient. En IV, en PEROS, en fonction de la tolérance digestive du patient. Après, il faut, comme je vous ai dit, il sert également à produire de l'arginine. L'arginine peut être insuffisante, donc il faut apporter de l'arginine suffisante, soit sous forme de l'arginine en soi, soit sous forme de citrulline, ça en fonction du déficit enzymatique qui est connu chez ce patient. Et tout ça dans le but d'assurer les besoins de la synthèse protéique, entrer dans l'anabolisme autrement dit. Et après, il faut, pour ce faire, la synthèse protéique, il faut également apporter suffisamment de calories. Donc, chez les déficits du cycle de l'urée connus, on peut rajouter au polyonique G10, comme l'avait dit tout à l'heure Esther, puisqu'on sait que c'est un déficit du cycle de l'urée connu. Pour apporter des calories, on peut rajouter des médialipes, des lipides, 20%, etc., des doses de 2 grammes kilo jour qui peuvent évoluer vers 1,5 grammes kilo jour chez le grand enfant ou adulte. Si on n'est pas capable, pour des raisons X, Y, Z, un problème de voie d'abord, ou, etc., et on ne peut pas perfuser l'enfant ou le patient,
On peut essayer par une NEDC, c'est-à-dire nutrition entérale au début continu, soit par une sonde nasogastrique, soit par une gastrostomie si le patient en a une. Et si des signes neurologiques sont présents, pour lutter contre l'œdème cérébral, la perfusion sera bien entendu limitée à 1,5 litres par mètre carré par jour. Alors, les médicaments, puisque c'est des patients qui sont connus, on a donc ce que je vous ai dit, des chélateurs, le benzoate sodium, le phénylbutyrate, c'est les deux premiers. Puis après, on a la possibilité de l'arginine, voire de la citruline, et on a le carbaglu. Donc là, on avait mis au début les patients à maladie non diagnostiquée, comme l'a montré Esther, et finalement, les posologies, je ne vais pas les répéter, mais les posologies sont plus ou moins pareilles et identiques à des patients inconnus. Puisque c'est des patients qui sont quand même connus et on connaît très bien leur tolérance digestive, il y en a qui ont nécessité de beaucoup de médicaments, il y en a qui ont quasi plus, qui ont quasi pas. Donc c'est très, c'est ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. L'épuration extra-rénale doit être proposée après une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est jamais un médecin qui décide, et surtout en absence d'amélioration du traitement médical qui est bien conduit et devant une ammonémie qui est supérieure à, on tolère plus chez le nouveau-né que chez le grand enfant et adulte. Ça va de 500 micromoles chez le nouveau-né jusqu'à 150 micromoles chez le grand enfant et adulte. L'épuration extra-rénale est systématique si l'intoxication a été prolongée en raison du risque d'hypertension intracrânienne et du risque d'engagement brutal. Le pronostic vital, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, est lié non seulement au pic de l'ammonémie, mais aussi à la durée de l'ammonémie. Donc l'épuration extra-rénale sera facilement proposée si ça, si on n'arrive pas à corriger cette ammonémie. Facilement proposée chez le grand enfant et l'adulte en raison du faible risque d'iatrogénicité, c'est-à-dire au niveau des risques liés à la technique. Ils sont plus au risque d'œdème cérébral conduisant au décès par l'engagement cérébral chez le grand enfant et l'adulte. La technique en ce moment le plus préférée et le plus choisie, c'est l'hémodiafiltration veno-veineuse qui permet une clairance de l'ammoniac qui varie entre 8 et 21 ml par minute par mètre carré, qui est relativement vite et qui nous permet d'avancer au plus vite pour faire baisser l'ammoniac. Juste faire quelques focus sur la spécificité de la prise en charge de l'adulte. Alors juste au bas de la DIA, je vais continuer sur l'épuration extra-rénale qui effectivement chez l'adulte est très très facilement proposée pour des ammonémies qui sont beaucoup plus faibles que chez le nouveau-né et notamment parce qu'il y a une grande quantité d'ammoniac qui est à dialyser chez l'adulte et ça peut mettre plusieurs jours avant d'obtenir une ammonémie normale même avec une hémodiafiltration bien conduite et avec parallèlement au chélateur par-dessus le marché. Donc en fait, l'hémodialyse peut être débutée même avant le transfert vers un centre spécialisé sans que ce soit très compliqué chez l'adulte. Juste un petit point sur la posologie des médicaments chez l'adulte, c'est super facile parce que benzoate de sodium, on l'a vu tout à l'heure, c'est 12 grammes par jour dose max. Le phénylbutyrate de sodium, c'est 12 grammes par jour dose max. L'arginine, c'est 12 grammes par jour dose max. Donc on a des choses relativement simples à dire à nos collègues urgentistes et réanimateurs, en sachant qu'on y arrive vite à un poids adulte à cette dose maximum. Le carbaglu, c'est 100 mg kilo en bolus, puis 250 mg kilo par jour en dose d'entretien.
Un petit point encore chez l'adulte sur les voies d'abord. Moi, je n'arrive jamais à poser de sonde nasogastrique chez mes patients adultes. C'est du domaine de l'impossible, enfin, en tout cas chez moi, mais je crois que c'est assez bien partagé. Et donc, il y a vraiment une tolérance qui est catastrophique. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que souvent, la perfusion est bien plus facile à poser que chez l'enfant. Au niveau de l'alimentation, dans les décompensations aiguës, donc l'objectif principal, c'est vraiment de normaliser l'ammoniémie tout en continuant à assurer la couverture des repères nutritionnels pour la population, ce que je vais appeler RNP. Et donc la prise en charge, comme on vous l'a dit, c'est le régime d'urgence. Donc qu'est-ce que le régime d'urgence? C'est l'arrêt de l'élément toxique et donc notamment des protéines et s'il y en a des acides aminés. La majoration de l'énergie, donc en général, on est autour de 120 à 130% des besoins recommandés. Et en général, on va distribuer de la façon suivante, environ 40% de l'énergie sous forme de lipides et 60% sous forme de glucides dans l'enfance et pour les adultes. Et puis, on va être un petit peu plus riche en lipides pour couvrir les besoins pour les nourrissons. Et donc, on va plutôt être entre 45 et 50% de lipides et 50 à 55% de glucides pour les nourrissons. Ce régime d'urgence, il peut être soit fait per os ou en nutrition entérale si l'enfant ou le patient est incapable de manger. Et en cas d'intolérance digestive ou de refus de la nutrition entérale, ce qui est le cas chez les adultes en général, on préférera la perfusion glucido-lipidique en n'oubliant pas les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et donc attention, parce que ce régime d'urgence, il doit vraiment se faire sur une courte durée, donc 48 heures maximum, parce qu'il y a vraiment un risque de catabolisme protéique et de dénutrition. Merci Claire. Avant de continuer sur la pharmacothérapie au long cours, je reçois une petite question d'Aline Canot, notre collègue à Marseille, qui pose la question: quelle est la dose maximale de carbaglu que vous utilisez chez les adultes? Il n'y a pas de dose. En fait, c'est adapté au poids. Il n'y a pas de dose maximum. 12 grammes? Peut-être. Ok. C'est vrai que c'est pas décrit en tout cas. J'ai cherché, mais j'ai pas. Enfin, voilà, la réponse c'est a priori au poids. Pharmacothérapie au long cours. On a bien noté médecine personnalisée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des formes sévères néonatales, il y a des formes beaucoup plus frustres infantiles, il y a des formes adultes. Tout dépend. Du déficit, tout dépend de l'activité résiduelle enzymatique, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre médecine personnalisée. Donc il y a le benzoate sodium qui est dosé aux alentours de 250 mg par kilo et par jour, avec donc le maximum, comme déjà dit, 12 grammes chez l'adulte. Phénylbutyrate, c'est à peu près la même chose. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Tout dépend encore une fois du patient en soi. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup plus par rapport aux autres. La L-arginine, maximum 10 grammes par jour chez l'adulte. La L-citrulline, c'est entre 100 et 200 mg kilo jour. Et donc, le carbaglu est entre 10 et 100 mg par kilo et par jour. Et on a noté idem pour la plupart des autres déficits enzymatiques, à part donc quelques exceptions. Les chélateurs, bien que le phénylbutyrate, il prend en fait la glutamine, comme je vous ai dit, et donc deux molécules d'azote. Et donc, en principe, il serait en théorie supérieur dans son action par rapport à benzoate sodium, qui prend, comme je vous ai dit tout au début, la glycine, c'est-à-dire une molécule d'ammoniac, mais ça reste quand même fort débattu. Donc, il y a différentes formules de phénylbutyrate sur le marché. Il y a le Ammonaps, il y a le Feburan, il y a le Ucidan, il y a le Ravicti. C'est peut-être pas trop le sujet d'entrer trop dans les détails sur ces différentes formules. Les effets secondaires de phénylbutyrate, ça c'est plutôt l'aménorrhée, dysfonctionnement menstruel chez à peu près une femme sur quatre,
une baisse d'appétit, un changement de goût, une odeur corporelle qui peut être désagréable et il peut être à l'origine d'une déplétion des acides aminés ramifiés. Les deux molécules, c'est-à-dire donc le benzoate sodium et le phénylbutyrate, ils peuvent être à la base d'une mucosite et gastrite. Effectivement, il y a pas mal de patients qui se plaignent un peu de l'acidité. Ils peuvent être également à la base d'une hypokaliémie ou d'une acidose métabolique. Je laisse la parole à Claire pour la prise en charge alimentaire à long terme. Donc à long terme, les objectifs, c'est vraiment d'assurer un apport nutritionnel qui est suffisant pour, dans un premier temps, garantir une croissance staturopondérale correcte pour les enfants et dans un second temps, pour assurer les besoins en protéines d'entretien chez les adultes. C'est de prévenir évidemment les décompensations hyperammoniémiques. Et donc, le traitement va être alimentaire, entre autres. Donc, c'est ce qu'on va appeler le régime de croisière. Donc, il nécessite une limitation des apports en protéines naturelles, c'est-à-dire qu'on va donner au patient vraiment le maximum de protéines qui va être toléré par lui. Et donc, en général, il va être très restreint dans les formes plutôt néonatales, à quasi normoprotidiques dans les formes un peu plus tardives. Et donc cet apport en protéines, il va vraiment dépendre du blocage enzymatique, de la gravité de la maladie, de l'âge et du poids aussi du patient. Si nécessaire, on peut compléter par un mélange d'acides aminés essentiels. Et on veillera toujours à un apport énergétique qui va être suffisant, qui va vraiment être adapté à l'âge, au poids et à l'activité physique et sportive pour toujours avoir un anabolisme permanent et éviter tout risque de catabolisme et donc d'hyperammoniémie. Et on veillera toujours à une supplémentation en vitamines, minéraux et oligo-éléments. C'est vraiment des régimes qui sont carencés. Donc au niveau des protéines naturelles, donc on va donner vraiment le maximum qu'on puisse, ça j'insiste là-dessus. Donc on va essayer de répartir de la façon suivante, c'est-à-dire 50% de protéines d'origine animale, donc c'est-à-dire d'origine laitière, donc sous forme de lait ou de produits laitiers qui vont être autorisés, et 50% sous forme de protéines végétales, c'est-à-dire sous forme de riz, de légumes, de pommes de terre et de fruits en règle générale. Et donc ces protéines, elles doivent vraiment être réparties tout au long de la journée pour éviter les pics d'hyperammoniémie et pour qu'elles soient bien utilisées de façon optimale. Ensuite, on peut être amené de temps en temps à rajouter un mélange d'acides aminés essentiels en complément de l'apport en protéines naturelles et si les besoins minimums de sécurité ne sont pas atteints. Donc attention, ces mélanges d'acides aminés essentiels, ils apportent aussi de l'azote, donc c'est vraiment sur prescription médicale et ça va vraiment être adapté en fonction du profil nutritionnel du patient. Les aliments hypoprotidiques, donc ça va bien nous aider, parce que c'est des aliments spéciaux qui sont sans protéines et qui permettent de compléter les apports énergétiques et aussi d'améliorer vraiment la diversification alimentaire des patients. Ils sont définis en fait par une teneur en protéines qui va être inférieure à 10% de la teneur en protéines d'un aliment courant de la même catégorie. Et ils sont disponibles en pharmacie hospitalière, donc uniquement sur ordonnance et réglementés par le texte de loi sur les DADFSMS. Et donc, ces aliments hypo, par contre, ne contiennent pas de vitamines et de minéraux. Et donc, comme le régime, vous allez pouvoir le voir après, il est très carencé, on va être obligatoirement obligé de rajouter un mélange de minéraux et de vitamines qui vont être vraiment obligatoires pour la couverture des besoins recommandés. Et ceux-ci sont remboursés pour les traitements des maladies héréditaires du métabolisme. Donc la mise en place du régime, elle doit vraiment être réalisée par une équipe soignante pluridisciplinaire qui est spécialisée dans les maladies héréditaires du métabolisme, c'est-à-dire des médecins et des diététiciens qui sont spécialisés et, si possible, idéalement formés à l'éducation thérapeutique. Et donc la formation, elle débute vraiment au cours de l'hospitalisation initiale et elle se poursuit toujours au fil du suivi, donc en hospitalisation, en hôpital de jour ou en consultation. Donc en fait, pour cela, on classifie les aliments en trois catégories. Les aliments qui ne contiennent pas du tout de protéines et donc qui vont être en quantité libre. Les aliments qui sont assez pauvres en protéines et qui vont devoir être contrôlés, donc à peser sous forme de système de parts de protéines. Et les aliments qui sont vraiment trop riches en protéines et du coup qui vont être interdits. Donc je vous ai mis un petit tableau de la classification des aliments donc, dans un premier temps pour les formes néonatales, donc plutôt dans l'enfance.
Donc, dans les aliments interdits, on va avoir donc évidemment la viande, le poisson, les œufs, les coquillages, la charcuterie, tous les produits laitiers qui vont être riches, type fromage à pâte dure et fromage à pâte molle, tous les produits céréaliers, donc tout ce qui va découler des céréales, du blé, par exemple la farine, le pain, les pâtes, la semoule, tous les légumes secs tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, tous les fruits oléagineux, donc comme les cacahuètes, les noix, les noisettes et le chocolat. Les aliments qui vont être en quantité contrôlée, donc à peser, puisqu'ils vont contenir une quantité de protéines, donc ça va être les pommes de terre sous toutes ses formes, le riz, les fruits, les légumes et certains produits laitiers tels que les, qui vont être un petit peu moins riches, tels que les vaches qui rient, tout ce qui est fromage à tartiner, certains yaourts et crèmes dessert. Et lorsque l'enfant aura une tolérance supérieure à 20 grammes de protéines par jour, on pourra intégrer des biscuits normaux. Les aliments qui vont être en quantité libre, puisqu'ils ne contiennent pas de protéines, vont être toutes les boissons, donc eau, thé, café, soda, les matières grasses, les fameux aliments hypoprotidiques et les produits sucrés, les épices, les aromates. Donc là, en fait, je voulais vous montrer la ration d'un enfant de 5 mois qui n'est pas encore diversifié, qui pèse 7 kilos. Et donc, dans un premier temps, je vous montre en fait le régime d'un enfant qui n'a pas de régime, donc qui n'a pas de déficit du cycle de l'urée. Et donc à cet âge-là, en général, un enfant va boire à peu près 4 biberons de 210 ml de lait premier âge. Et donc en fait, avec une reconstitution normale, c'est-à-dire une mesurette pour 30 ml, on va obtenir 28 mesurettes par jour, soit 120 g de lait premier âge. Et ça, ça va nous apporter 11,5 g de protéines et 625 calories par jour, soit 90 calories par kilo. Donc maintenant, je vais vous montrer le régime d'un enfant à qui on autorise uniquement les 7 grammes de protéines, puisqu'à cet âge-là, on est à peu près autour de ça. Et donc dans ces cas-là, si on n'utilise pas du tout de produits énergétiques, on va devoir diminuer les rations et donc on pourra lui donner uniquement 4 biberons de 130 ml de lait premier âge, qui toujours avec une reconstitution normale va correspondre à 73 g de lait premier âge. Donc on aura bien nos 7 g de protéines, le problème c'est qu'on n'aura que 380 calories, ce qui est totalement insuffisant. D'où la nécessité de rajouter des produits énergétiques. Donc là, vous voyez, pour bien atteindre les 4 biberons de 210, on va être obligé de rajouter soit du PFD1 ou de l'énergie vite, c'est-à-dire un mélange glucidolipidique qui contient des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, un peu de polymère de glucose tel que la maltodextrine et de l'huile. Donc là, on aura bien nos 7 grammes de protéines par jour et on aura nos calories, 760 calories par jour. Et comme je vous disais tout à l'heure, en règle générale, on est pour un enfant à cet âge-là, même en régime de croisière, au-delà des apports énergétiques, donc autour de 120% des apports recommandés, soit 108 calories par kilo. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que les produits énergétiques, ils sont indispensables et qu'on ne peut pas faire sans. Donc là, je vous montre la classification des aliments plutôt pour les ados et les adultes. Donc là, la différence, elle va se faire, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur les biscuits normaux, parce qu'en général, à cet âge-là, ils ont plus que 20 grammes de protéines par jour. Et on peut aussi y rajouter certains produits céréaliers, tels que le pain, les pâtes, toujours en fonction de la tolérance. Et éventuellement aussi, quelquefois, des produits laitiers un petit peu plus riches, tels que fromage à pâte dure ou pâte molle. Voilà, c'est vraiment en fonction de la tolérance de l'ado ou de l'adulte. Donc, même chose, je vous ai fait une petite ration donc, pour un ado de 13 ans qui pèse 45 kilos. Je ne vais pas vous faire le détail de la journée, mais c'est juste pour vous montrer en fait, le régime normal d'un enfant donc, qui mange totalement normalement, avec de la viande, etc. Et donc, il va avoir 70 grammes de protéines par jour avec un apport énergétique de 2200 calories par jour. Je vais juste vous faire le détail sur le midi et le goûter. Donc, il aura 100 g de viande qui apporte déjà 20 g de protéines, 100 g de pommes de terre qui en apporte 2, 160 de courgettes qui en apporte 2 avec de l'huile, du gruyère qui apporte 8,5 g de protéines, une compote et du pain qui apporte 2,5 g de protéines. Pour le goûter, il aura 4 cookies normaux qui apportent 4 g de protéines et un yaourt aux fruits. Et donc là, pour un enfant qui a un déficit du cycle de l'urée, à qui on autorise uniquement 23 g de protéines par jour, donc là, c'est une forme plutôt néonatale, mais voilà, il a un régime assez strict. Qu'est-ce qu'on va enlever? Donc, au déjeuner, on sera obligé d'enlever la viande, puisque la viande apporte déjà 20 g. Pour le gruyère, on pourra lui en donner que 7 g. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de donner 7 g pour avoir uniquement 2 g de protéines? Et on sera obligé d'enlever le pain. Et pour le goûter, on pourra lui donner des cookies normaux, mais seulement 2, pour avoir 2 g de protéines. Et on sera obligé de modifier le laitage pour avoir
un petit yop à la place d'un yaourt qui est un peu trop riche. Et donc, avec tout ça, en fait, on se rend compte qu'il a bien nos 23 grammes de protéines, mais qu'on n'a que 1025 calories par jour, ce qui est totalement insuffisant pour la croissance. Et aussi, il est complètement carencé en vitamines, minéraux, puisque, par exemple, n'ayant pas de viande, il n'a pas du tout de fer et de vitamine B12, qui est vraiment essentiel pour le corps. Donc c'est vraiment pour vous montrer l'utilité des aliments hypoprotidiques, puisque du coup, au déjeuner, on va augmenter un petit peu l'huile, on va remplacer le gruyère par un kiri, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un vrai morceau de kiri plutôt qu'un tout petit bout de gruyère. Et on va rajouter 120 grammes de pâte hypo. Et puis au goûter, on lui donnera en plus une petite gaufre hypoprotidique. Donc avec ça, on aura nos 23 grammes de protéines par jour, on aura bien nos 2200 calories, et on y ajoutera pour les vitamines et minéraux un petit sachet de fritivite. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer l'importance des aliments hypo et des compléments vitamines et minéraux. Donc pour les enfants ou les adultes qui ont une découverte tardive, donc la tolérance, elle est vraiment très variable. En général, elle va se situer un tout petit peu inférieur aux apports avant le diagnostic. Donc ça peut vraiment être de 40 grammes, même il y en a qui peuvent tolérer jusqu'à 70 grammes. Donc comme disait Esther, on a souvent un dégoût de viande, poisson, œuf. On veillera toujours à couvrir les besoins recommandés en vitamines, minéraux et oligo-éléments si notamment ils ne mangent pas de viande, de poisson ou d'œuf. Et on surveillera toujours le bilan nutritionnel, un peu la même chose que pour les formes classiques. Et il sera plus ou moins nécessaire de prescrire des épurateurs au quotidien, parce que certains patients ont uniquement des épurateurs en cas d'infection, par exemple. Donc le suivi du traitement diététique, il est indispensable pour assurer un bon développement et un équilibre métabolique optimal, pour poursuivre une vie sociale et scolaire adaptée, et pour aider surtout et gérer les contraintes du régime sur le long terme et vraiment en toutes circonstances. Et donc, comme je le disais juste avant, on fera un bilan nutritionnel assez régulièrement. Les objectifs du traitement diététique, c'est dans un premier temps de s'assurer et d'optimiser la bonne compliance au régime. Donc, dans un premier temps, en évaluant précisément les prises alimentaires, et on les corrèle toujours à la prescription médicale en protéines, en vitamines, minéraux et oligo-éléments. On va suivre les paramètres anthropométriques, c'est-à-dire la courbe de croissance pour les enfants. On va aussi repérer les risques de dénutrition, puisque par exemple, si un enfant tolère 12 grammes de protéines par jour et qu'on se rend compte à l'enquête alimentaire qu'il en consomme que 10 grammes, c'est grave. Donc il faut quand même qu'on donne des conseils pour qu'il atteigne les 12 grammes. On va aussi repérer l'apparition des troubles de l'oralité et si c'est le cas, l'orienter vers les spécialistes tels que psychomotriciennes, orthophonistes. On va aussi discuter du déroulement du régime au domicile, de son impact sur la vie familiale et aussi des derniers épisodes de décompensation pour voir ce qui a été bien fait ou ce qui a été moins bien fait. Et on va répondre aux questions pratiques concernant le régime. Donc notamment, on va l'informer sur tout ce qui est nouveaux aliments véganes, sur les recettes. Vous voyez typiquement là le beau gâteau d'anniversaire d'un petit patient qui avait 2 ans. Et voilà ce que peuvent faire les parents. Ils peuvent vraiment faire des super recettes. On a énormément de livrets de recettes, mais aussi les parents, ils sont toujours très imaginatifs et ils créent vraiment des choses vraiment sympas. Et puis, on veillera aussi à voir avec eux pour les voyages scolaires, etc. Enfin, voilà, on essaye d'être au maximum présent pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, on propose aussi aux patients et à sa famille l'entrée dans un programme d'éducation thérapeutique pour améliorer la compréhension de la maladie, du traitement, et puis favoriser les changements de comportement requis pour optimiser l'observance si elle est un petit peu défaillante ou pas. Et puis essayer d'atténuer l'impact de la maladie sur la vie sociale. Donc les principes de l'équilibre métabolique et l'adaptation du régime hypo. Donc l'adaptation des protéines, elle va se faire en fonction des paramètres biologiques, c'est-à-dire de l'ammoniémie, de la glutamine et de la chromatographie des acides aminés plasmatiques. Et aussi des paramètres cliniques, c'est-à-dire on veillera à bien surveiller la courbe de croissance pour les enfants, et puis aussi les cheveux, les ongles, la peau, et ça c'est valable aussi chez l'adulte. Et donc comment on fait pour adapter les protéines? Donc dans un premier temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'évaluer toujours les apports alimentaires de ce qui est fait à la maison.
On veillera toujours à privilégier les protéines naturelles plutôt que les mélanges d'acides aminés. Vraiment, dès qu'on peut, on augmente les protéines naturelles. En général, dans l'enfance, on peut être à plus 1 gramme plutôt chez les enfants. Et puis chez les ados, on peut faire même plus 2 grammes puisqu'il y a vraiment une croissance à ce moment-là. Et puis si vraiment on ne réussit pas à augmenter les protéines naturelles, eh ben, on pourra éventuellement rajouter des acides aminés essentiels dans un second temps. Merci Claire. Et avant de continuer avec le suivi et objectifs biologiques, encore une petite question. Pour la tolérance en protéines de découverte tardive, faites-vous un test de charge en protéines ? Non. Non. Je ne crois pas. Non, c'est plus. Non, c'est dangereux. Ouais, oui. Non. C'est plus trop dans le mode, effectivement. Antérieurement, ça se faisait, mais je m'adresse également au professeur Jean-François Benoît qui a. On l'a eu fait et on en fait moins à cause des dangers. Et puis, comme maintenant, on a la génétique qui nous permet d'avoir des diagnostics de certitude, après, la surveillance biologique permet justement d'évaluer la tolérance du patient et la surveillance clinique, bien évidemment. Donc, c'est des choses qu'on a quand même abandonnées depuis quelques années. Après, ce qu'on fait exact. Volontiers, c'est des cycles d'ammoniémie quand même, puisque c'est quand même... Ah, pardon. Voilà, maintenant, tu as raison, parfaitement. Les cycles d'ammoniémie qui sont le principal outil de la surveillance, en effet, des patients, et qui peuvent, chez un patient pour lequel on va avoir une découverte tardive, permettre d'évaluer au fur et à mesure de la journée sa tolérance par rapport à ses apports protéiques qui seront alors calibrés, qui peuvent être éventuellement un tout petit peu majorés pour être sûr d'être dans une situation... un petit peu de charge ou de repas de fête ou quelque chose d'équivalent et voir en effet si le patient tolère. Donc en effet, le suivi, quelle que soit la forme, c'est, on l'a dit, la toxicité, elle est liée à l'ammoniac. Donc on va suivre cette charge azotée, le foie dysfonctionnant, ce cycle dysfonctionnant. Le risque, c'est d'avoir une ammoniémie anormale. L'objectif, c'est de maintenir une ammoniémie dans les valeurs normales, c'est-à-dire inférieure à 50 micromolaires si on accepte la période du nouveau-né. Et on va faire principalement ces cycles d'ammoniémie, soit simple, unique dans le cadre d'une consultation de surveillance classique où on fera peut-être un point isolé, mais sinon on essaiera de faire des cycles avant, après repas pour voir l'impact en effet de cette charge azotée qui est liée à l'alimentation. On ne l'a pas dit, mais on parle beaucoup des acides aminés puisqu'il existe un pool limite des acides aminés plasmatiques dans le sang. Ces acides aminés libres, dès qu'ils sont en excès, sont catabolisés et vont produire l'ammoniac. Donc il faut limiter cet apport. C'est le principe du régime qu'on a vu, et l'évaluer à travers, finalement, cette ammoniémie. L'autre outil qu'on a pour la surcharge azotée, c'est principalement la glutamine, qu'on va évaluer à travers la chromatographie des acides aminés. Là aussi, on se fixe un objectif d'essayer de maintenir des glutaminémies un peu élevées, pas tout à fait normales, mais inférieures à 1000 micromolaires si possible. Et là, on parle du sujet à jeun. Et puis, il y a juste une maladie où on a un marqueur supplémentaire qu'on va suivre de façon un peu plus stricte. C'est un des déficits du cycle de l'urée qu'on appelle le déficit en arginase pour lequel on essaie de contrôler l'argininémie dans une zone limite entre 70 et 120 micromolaires, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Pour les autres déficits et pour les autres maladies du cycle de l'urée, on n'a pas de repères biologiques, de marqueurs très spécifiques pour lesquels on s'impose à la fois des seuils et un suivi. C'est essentiellement cette surcharge azotée et l'arginase dans le cas des déficits en arginine. Et puis, comme vient de le dire Claire, l'équilibre nutritionnel de nos patients est essentiel. Il va être évalué à travers des bilans classiques qui sont faits à intervalles réguliers. On propose tous les 6 mois en pédiatrie, tous les ans, voire tous les 2 ans chez l'adulte. Il faut surtout les faire régulièrement parce qu'on l'a vu, ces régimes déséquilibrés vont entraîner des carences en éléments traces, en minéraux, en vitamines. On a parlé de la vitamine B12 notamment. Et on va suivre... globalement l'équilibre nutritionnel azoté à travers la chromatographie des acides aminés plasmatiques où on fera particulièrement attention aux acides aminés essentiels. Avant d'aborder la grossesse, encore une question. Bonjour, combien de temps après un repas est-il plus pertinent de doser l'ammoniémie ? On estime que le pic d'ammoniémie survient à peu près 1 heure à 1 heure et demie après le repas. Voilà. Classiquement, on le fait 1 heure après le repas. Oui, tout à fait. Le début ou la fin du repas ? Comment ? Faut manger vite. Après le début ou la fin du repas ? 1 heure après la fin du repas. OK. Je passe la parole à Esther pour encore une fois de plus de parler de la grossesse.
Alors, le suivi de la grossesse se fait évidemment de manière clinique, déjà, avec la nécessité de prendre du poids de manière suffisante pour éviter le catabolisme, mais évidemment de manière non excessive, parce que la perte de poids du postpartum est à gros risque de décompensation métabolique maternelle. Sur le plan du suivi biologique, on fait un suivi mensuel avec une ammoniémie, une chromatographie des acides aminés plasmatiques et trimestriellement, on regarde des paramètres classiques, j'imagine, de la femme enceinte, un FS plaquette et puis tout ce qui est à l'origine de carences dans ce régime un petit peu parti, de cette prise en charge alimentaire particulière, donc la ferritine, le zinc, le sélénium, l'acide folique, la vitamine D et la vitamine B12, bien sûr, pour laquelle on peut s'aider d'ailleurs de l'homocystéine totale plasmatique et de l'acide méthylmalonique urinaire et ou plasmatique. Et puis on fait classiquement une échographie trimestrielle. Alors la prise en charge diététique de la grossesse, la tolérance protéique au premier trimestre est à peu près stable par rapport à ce qui existait auparavant. Et au deuxième et au troisième trimestre, on augmente progressivement la quantité de protéines journalières. Il faut vraiment le faire, je dirais, au taquet en raison des risques de retentissement sur la croissance fœtale. On peut arriver, moi, en fin de grossesse, à une vraie augmentation, voire doubler les doses de protéines maternelles. L'apport énergétique est augmenté d'assez peu au premier trimestre, de 70 kilocalories environ, puis on augmente à plus de 260 kilocalories sur les besoins de base, hein, j'entends, au deuxième trimestre et à plus de 500 kilocalories au troisième trimestre. Donc pour maintenir l'apport calorique si nécessaire, on peut s'aider par une nutrition artificielle, soit en débit continu ou une perfusion adaptée. Je vous ai dit que chez l'adulte, c'était un petit peu compliqué, les sondes nasogastriques, et ce n'est pas plus simple chez la femme enceinte qu'on peut éventuellement faire en hospitalisation. La prise en charge médicamenteuse, on privilégie très clairement le benzoate de sodium si nécessaire, ce n'est pas forcément nécessaire, voire ça peut se modifier en cours de grossesse, qui est vraiment le traitement épurateur de choix. Le phénylbutyrate de sodium a été est responsable de troubles de tératogénicité, ça a été démontré chez le rat. Il y a évidemment quelques cas de la littérature de femmes qui étaient enceintes alors qu'elles prenaient du phénylbutyrate de sodium, et manifestement, il n'y a pas eu de grosses catastrophes, mais ça reste vraiment des cas cliniques. Le péri et le postpartum sont déjà à faire dans un endroit où on peut faire des ammoniémies en urgence et, si possible, à proximité d'un centre de référence ou de compétence. L'accouchement se fait à jeun, on perfuse la patiente à la posologie des décompensations aiguës et cette posologie est à poursuivre jusqu'au postpartum, jusqu'à une reprise alimentaire par voie orale qui va permettre l'arrêt de ces perfusions. La surveillance biologique se fait à raison d'une ammoniémie initialement toutes les 4 heures, puis ensuite adaptée à l'état clinique. Et on fait évidemment une chromatographie des acides aminés sanguins tous les 2 à 3 jours pour s'assurer de l'absence de carence essentiellement et d'augmentation de la glutamine. Merci Esther. Une petite question encore. Utilisez-vous le dosage de l'acide orotique dans le suivi? Moi je dirais plutôt oui. Alors, ça, c'est très variable d'une équipe à l'autre. Les consensus européens n'ont pas dégagé d'avantages réels au suivi de l'acide orotique. Donc, il peut être proposé. Est-ce qu'il apporte quelque chose? C'est discuté. En tout cas, c'est un signe de décompensation, mais on a d'autres signes majeurs de décompensation, l'ammoniémie en premier lieu, la clinique. Donc, c'est un élément complémentaire, mais sans argument formel pour son intérêt. Moi, je dirais plutôt, je suis tout à fait d'accord, mais moi, je dirais plutôt que je le fais surtout chez les familles non compliantes. Parce que quand ils savent qu'ils arrivent en consultation et qu'ils seront piqués, ponctuellement, l'ammoniémie est un dosage ponctuel. L'acide orotique, ça reflète, ça couvre une période un tout petit peu plus longue. Et parfois, on a des profils ammoniaques acide aminé normal avec un orotique qui est quand même élevé, qui doit faire évoquer quand même, et c'est surtout chez ces familles-là, mais de principe, oui. Non. Une autre question plutôt rigolote, moi je dirais, pour les cas de pathologie forme mild, qu'est-ce qui différencie entre une envie de sieste postprandiale et une petite hyperammonémie?
Moi, je dirais, le dosage de l'ammoniaque. Moi, voilà, moi je dirais, faites une petite hospitalisation en hôpital le jour ou quoi que ce soit. Quand il dort, on lui pique une petite ammoniaque, je crois. J'ai une histoire, moi j'ai une patiente comme ça, effectivement, qui me disait, moi, je suis toujours fatiguée, j'ai un travail stressant, donc je suis obligée de faire une petite sieste à midi, puis je suis obligée de faire une petite... le soir, je me couche tôt, et en fait, quand on fait un pic d'ammoniémie, ben, l'ammoniémie en postprandial à midi à 160, le soir, elle est à 200, et le matin, à jeun, ben, elle est normale, quoi. Et donc, on a compris l'histoire de ces siestes itératives. Ouais. Bon, donc, pendant la sieste, doser l'ammoniémie. En tout cas, il faut rappeler que ça suit vraiment l'apport alimentaire. Ouais, donc, c'est forcément en postprandial que ça va le plus se révéler. Et ça incrémente. En l'occurrence, dans la journée, ça s'accumule progressivement. Ça incrémente, oui. Absolument. Tout à fait. C'est très souvent aussi le soir, les formes psychiatriques. C'est surtout au soir quand ils font des symptômes. Et là, une petite question pour, je crois, plutôt pour Jean-François. Le dosage de l'AMM, acide méthylmalonique, est-il plus fiable que celui de la vitamine B12 pour dépister une carence en vitamine B12? Alors, la définition de la carence en B12, elle est extrêmement complexe et probablement qu'elle ne repose pas sur le dosage et la valeur intrinsèque de la vitamine B12. Les meilleurs marqueurs aujourd'hui sont des scores extrêmement complexes qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais ce qui est important de diagnostiquer, c'est la carence fonctionnelle en vitamine B12. Et cette carence fonctionnelle va s'accompagner de l'augmentation des deux paramètres qu'Esther a cités, l'homocystéine totale et l'AMM, qu'il est plus facile et plus fiable de doser dans le plasma pour juger de petites élévations. Donc oui, maintenant, c'est un luxe de pouvoir se permettre ça. Chez un sujet qui théoriquement prend ses compléments vitaminiques, et je me tourne vers Claire en disant ça. C'est pas toujours le cas. S'il les prend, il n'y a pas de problème, mais voilà, ouais. S'il y a un problème d'observance, la vitamine B12 n'est pas forcément le meilleur dosage à faire. Et si on a un petit doute, tu parlais de familles peu compliantes, c'est un marqueur qui peut avoir un intérêt. Tout à fait. Et puis maintenant, je donne la parole au docteur Florence Lacaille pour le quatrième. Volet thérapeutique possible, on va dire, la greffe hépatique. Merci Florence. Donc on va changer complètement, j'allais dire, de milieu. Et quand est-ce qu'on commence à parler de greffe dans toutes les maladies métaboliques du reste, hein? C'est quand le traitement médical, très bien fait, avec un régime très compliqué, je dois avouer qu'un régime sans chocolat, je trouve que c'est quand même très dur. Quand le régime, les mélanges d'acides aminés, les solutions hypo-machin et les vitamines ne suffisent plus. Alors, est-ce que l'absence d'observance est une indication à parler de greffe? C'est un peu limite, hein, parce que si on n'observe pas le régime, va-t-on observer les traitements post-greffe? Mais enfin, ça fait partie des discussions, évidemment. Mais quand, avec un traitement bien conduit, bien contrôlé, avec un acide orotique dont on est sûr qu'il est bien contrôlé sur les trois derniers mois, on n'arrive pas à contrôler... À ce moment-là, il faut parler de greffe. Alors, les risques de la greffe sont incontestables et ce sont des risques de mortalité. Donc, il faut être dans une situation où les risques de la maladie deviennent supérieurs à ceux de la greffe. Alors, quels sont, pour parler brutalement, les risques de décès de la greffe? C'est à peu près entre 5 et 10% dans les meilleures mains. Hein, on peut assurer la technique, mais on n'assure pas la chance. Alors, ça ne veut rien dire, 5 ou 10%, quand on parle à des parents, c'est 0 ou 100. Alors, comme je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, je leur dis toujours, ça peut arriver, mais de toute façon, ça n'arrivera pas à votre enfant, donc on considère que ça va être 100%, mais sachez qu'il peut mourir. Mettez ça dans un coin, et puis maintenant, on va parler de ce qui va se passer après. Ce qui est certain, c'est que si la maladie est décompensée, chroniquement décompensée, avec en particulier des accidents d'hyperammoniémie, que ce soit des problèmes de compliance ou des problèmes d'équilibre, il ne faut pas attendre d'avoir eu un accident qui a fait... partir un nombre X de neurones qui ne vont pas repousser après la greffe. Donc il faut en parler avant qu'il y ait les séquelles de l'accident neurologique. C'est quelque chose qui est particulièrement important, en particulier, j'allais dire, quand l'accident néonatal a été grave. Et pas parler ni trop vite, ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard, je dirais, de la greffe. C'est d'abord évaluer un peu quelles ont été les séquelles cérébrales de l'accident neurologique initial avant de parler de greffe. Mais si l'enfant est neurologiquement bien et en fonction des taux d'ammoniémie et des difficultés d'équilibration, ne pas traîner pour ne pas regretter de l'avoir fait trop tard.
Alors, en fait, la question, l'indication, elle est théoriquement parfaite dans les anomalies du cycle de l'urée. Parce que comme les déficits sont tous limités au foie, on enlève le foie, on met des enzymes neuves, ça va marcher. Hein. Et ce n'est pas comme d'autres maladies héréditaires du métabolisme, comme les acidurées organiques, par exemple, où il reste de la maladie à l'extérieur du foie. Là, il n'y a plus de maladie à l'extérieur du foie, donc l'indication, elle est en théorie certaine. Y a-t-il des contre-indications ? Donc les contre-indications, c'est ça, et c'est surtout l'atteinte cérébrale sévère, et le problème, il est où est-ce qu'on met le curseur, hein, qui est une discussion qu'on a extrêmement souvent dans toutes les maladies métaboliques, où il y a eu un accident néonatal qui avait fait le diagnostic en général avec une hyperammoniémie et des séquelles qui sont d'intensité variable, et qu'est-ce qu'on peut prédire sur un enfant de 7 mois qui a un petit retard de développement, sera-t-il autonome ou sera-t-il pas autonome à l'âge adulte? Donc quelles sont les limites? Ça, c'est vraiment des discussions de RCP, et Claire sait bien que ça peut être des discussions extrêmement difficiles. L'autre contre-indication, c'est si en dehors du foie, enfin de la maladie métabolique, il y a une atteinte sévère d'un autre organe, genre le cœur, le rein. En général, dans les anomalies du cycle de l'urée, ce n'est pas vraiment le problème, c'est plus le problème dans les acidurées organiques. Et le troisième problème, qui est quelque chose qui nous arrive également très, très fréquemment, c'est que le suivi n'est pas possible, tout simplement parce que l'enfant habite dans un pays, débarque d'un pays où de toute façon il ne pourra pas retourner avec le suivi de la greffe. La greffe, c'est un autre type de maladie chronique. Il n'y aura pas les médicaments, il n'y aura pas les docteurs. Donc soit il s'installe en France, il obtient la sécu, il vote dimanche prochain, etc. Soit on ne peut pas le faire. Hein, et ça, c'est une contre-indication formelle. Alors, comment est-ce qu'on fait une greffe? Comment est-ce qu'on organise tout ça? Alors déjà, pour faire une greffe, il faut trouver un foie. On n'en a pas dans les frigos. Hein. Donc, soit c'est un donneur décédé, c'est-à-dire que l'enfant est mis sur la liste d'attente nationale et on attend qu'il tombe avec un malheureux et un accident de la route, hein, en général c'est ça, ou un accident vasculaire cérébral. La répartition se fait en fonction du groupe sanguin de l'enfant, de la date d'inscription sur liste, bien entendu d'une éventuelle demande d'urgence, si jamais c'est un enfant qui est vraiment extrêmement instable et qu'on se dit qu'il va faire l'hyperammoniémie à 600 demain matin, on peut passer par des procédures d'urgence. Les enfants ont la priorité sur la moitié du foie de tous les donneurs de moins de 35 ans, donc si l'enfant est petit, en général, on n'a pas trop de problèmes de donneurs. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a énormément de problèmes de donneurs actuellement, encore plus depuis le Covid, et la moyenne d'âge des donneurs en France, c'est plutôt 55 ou 60 ans. Donc, on n'est pas toujours très certain que c'est le genre de foie qu'on veut donner à un enfant de 18 mois ou 2 ans. Donc, on peut demander aux parents, hein, de donner la pointe de son foie, son lobe gauche. C'est une intervention qui n'est pas majeure, c'est pas une appendicite, d'accord, mais enfin, c'est pas non plus une transplantation hépatique. C'est une intervention qui est faite chez les adultes dans un hôpital où on fait que de la chirurgie hépatique de l'adulte, que de l'anesthésie de l'adulte, que de la réanimation hépatique de l'adulte. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les parents, on regarde le groupe sanguin, on envoie les parents, et puis c'est les adultes qui décident si ce parent-là peut être un donneur. Alors, il y a... Dans l'ensemble, c'est quand même des parents assez jeunes qu'on a, qui sont souvent en bonne santé, sauf l'obésité, hein, parce que l'obésité, c'est un facteur de risque pour le donneur, pas pour le foie, mais surtout pour les accidents pour le donneur. Et le problème majeur, c'est qu'on ne prendra pas une mère si elle a un déficit en OTC, si elle est transmettrice de l'OTC, même si elle est totalement asymptomatique, hein, parce que ça, on ne sait pas ce qui va se passer derrière et on n'a pas du tout envie de faire l'expérience et de la publier. Donc il y a un certain nombre d'examens qui sont faits chez l'éventuel donneur vivant, et je dois bien avouer que dans les 3 dernières années, étant donné les problèmes de donneurs, de durée d'attente et de risque d'accident neurologique, on a un petit peu tendance, chose qu'on ne faisait pas auparavant, un petit peu tendance à pousser les parents, leur dire: vous êtes sûr que vous ne voudriez pas donner un petit bout de foie à votre enfant? L'une des clés de la greffe, c'est de greffer l'enfant en bonne santé. Hein, donc ça paraît idiot comme ça, il ne faut pas qu'il soit en pleine décompensation, il ne faut pas qu'il soit complètement carencé en protéines avec les cheveux qui tombent et plus dedans, il ne faut pas qu'il soit complètement psychosocialement handicapé par une prise en charge épouvantable. C'est pour ça que le donneur vivant, et
pas qu'il soit, qu'il soit en pleine décompensation le jour où on le fait descendre au bloc, évidemment. C'est pour ça que c'est vrai que la solution du donneur vivant est quand même très satisfaisante. Alors, pour l'enfant, hein, évidemment, pour le parent, on va le soumettre à un risque alors qu'il n'était pas malade. Mais enfin, il est un fait que le risque pour le parent est quand même tout à fait minime. Donc, il faut absolument anticiper cette greffe, avoir des protocoles qui sont préparés pour savoir si l'enfant est mis sur liste d'attente, ça peut se passer le soir de Noël à 2h du matin. Si c'est le donneur vivant, au moins c'est programmé mercredi prochain à 8h, donc c'est un peu plus facile, mais il faut que le soir de Noël à 2h du matin, on sache exactement quelle perfusion mettre, combien de lipides, est-ce qu'il faut faire le régime d'urgence, enfin je ne sais pas quoi, moi, le carbaglu ou le phénylbenzoate. Donc là, on anticipe et on prépare l'enfant, on le vaccine contre tout ce qui bouge. Et puis, comme je vais vous montrer après, on fait tout un tas d'examens. Une chose importante, et ça, c'est ce que je dis aux parents, j'ai beau être extrêmement positive et optimiste, je commence par leur dire qu'il peut mourir, hein, parce qu'il faut que ce soit dit. Évidemment, ça ne va pas arriver, mais il faut le dire. Et il faut également qu'ils ne prennent pas la greffe de foie comme une baguette magique. Hop, ça y est, après, il n'y a plus rien. Alors là, il n'y a plus de régime. Hein, donc, Claire passe juste leur dire bonjour en consultation, mais ils se jettent sur le steak tartare en sortant de la consultation. Mais c'est une autre maladie avec une surveillance qui peut être embêtante, qui est de toute façon des traitements à vie, enfin aujourd'hui en 2022, et un suivi tout à fait strict. L'autre maladie, alors là aussi, hein, j'ai dit qu'il y avait entre 5 et 10% de mortalité, grosso modo dans ceux qui ne meurent pas, il y en a 80% qui vont parfaitement bien, 10% qui vont franchement pas très bien et dont on sait qu'il va se passer quelque chose et qu'on va avoir besoin de faire une autre greffe dans les années qui viennent, et 10% qui sont bon an, mal an, pas mal, mais avec besoin de revenir à l'hôpital quand même un peu plus souvent qu'on ne le souhaiterait. Quand la décision de greffe est prise avec les parents, on fait un bilan, le fameux bilan pré-greffe. Alors il y a un bilan anatomique, il faut que le chirurgien sache où il met les pieds, les mains, et donc il faut un scanner abdominal. En pratique, ce n'est pas très compliqué parce que ces enfants n'ont jamais été opérés et que c'est une chirurgie, je parle sous contrôle du chirurgien, pour un chirurgien qui a l'habitude de la transplantation, c'est une chirurgie entre guillemets facile, hein. une anomalie du cycle de l'urée. On a besoin de connaître l'enfant de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils parce qu'il peut se passer des tas de choses en post-greffe. Donc, on fait tous les examens qu'il faut pour explorer le rein, le cœur, le cerveau surtout, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on part et au cas où il se passe quelque chose après et pour accompagner l'enfant ensuite dans son développement. Un des risques de nos médicaments, en particulier nos médicaments anti-rejet qui diminuent les défenses immunitaires, c'est les infections bien sûr, donc on vaccine contre tout ce qui bouge. Et on fait rencontrer à cette famille des tas de gens, le chirurgien, l'anesthésiste, notre infirmière de TP, et le neurologue, le neuropsy, etc. Enfin ça déjà, ils ont généralement été vus par le psy et le neuropsy auparavant. Et puis on met l'enfant sur la liste d'attente, et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend du groupe sanguin, hein. La loi en France, c'est isogroupe. Hein. Quand on est de groupe O, comme le groupe O, ça va à toutes les urgences, c'est-à-dire aux gens qui doivent avoir besoin d'être greffés demain matin pour ne pas mourir, bien, quand on est de groupe O, on peut attendre 2 ans, même quand on est un enfant. Hein. Quand on est de groupe A, c'est plutôt 6 mois, hein, c'est 40% de la population française, disons. Quand on est de groupe B, c'est 8% de la population française. Alors, soit on a de la chance, c'est demain matin, soit on n'en a pas et c'est dans 3 ans. Pendant ce temps-là, il faut que l'enfant aille bien. Hein, et il faut donc que le traitement soit absolument bien conduit, le régime et le phénylbutyrate, le benzoate et la citruline. Non, pardon, la citruline. Et c'est un problème parce que les parents peuvent relâcher éventuellement le traitement pendant cette durée d'attente, surtout si elle est très longue. Après la greffe, donc l'intervention, c'est entre 6 et 12 heures. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien faite, hein. Plutôt du reste 6-8, hein, pour un enfant avec une maladie métabolique. La réanimation, c'est une petite semaine. L'hospitalisation, c'est entre 3 et 6 semaines, grosso modo. Et puis l'enfant retourne à la maison. Comme je dis aux parents, même quand ça se passe parfaitement bien, quand il n'y a aucun problème, aucune complication, il se passe toujours un truc, hein, de toute façon,
Mais même quand ça se passe parfaitement bien, c'est abominable, c'est les journées les plus longues de leur vie, ils n'ont jamais vécu ça, vécu des choses aussi difficiles, c'est encore pire que le moment du diagnostic et la réanimation néonatale. Parce que même quand ça se passe bien, on ne peut pas faire aller les choses plus vite que la musique. Pour récupérer, il faut récupérer, pour cicatriser, il faut cicatriser. Pour enlever les drains, il faut attendre. Quand l'enfant a de la fièvre, il faut attendre qu'il n'en ait plus parce qu'on a agi, etc. Donc c'est... On attend, et c'est extrêmement difficile, et c'est une période où nous, tout ce qu'on peut faire, hein, c'est tenir la main des parents et leur dire, mais vous allez voir, quand vous rentrerez à la maison, tout ira tellement mieux, et je les préviens que ça va être épouvantable, comme ça, si c'est épouvantable, ils me disent, heureusement que vous nous aviez prévenus, et si c'est pas épouvantable, parce que ça se passe très bien, ils disent, oh, on s'était tellement préparé, mais ça s'est passé tellement bien, mais heureusement, vous nous aviez prévenus. Alors pourquoi ça dure si longtemps ? Parce que c'est une énorme opération, bien sûr. Hein. On enlève une grosse éponge pleine de sang et on remet une grosse éponge pleine de sang avec plein de sutures, avec des tas de complications possibles. Alors vous voyez que les gens pensent toujours que le rejet, c'est la complication majeure de la greffe, mais en fait, pas du tout. Je l'ai mise en troisième. Les complications possibles, c'est surtout les complications chirurgicales d'une intervention majeure. En pratique, pour une maladie métabolique, les complications chirurgicales sont quand même pas très fréquentes parce que l'enfant n'a jamais été opéré, parce que, comme je le dis sous contrôle de mes amis chirurgiens, c'est une intervention relativement facile. Les infections, qui sont évidemment favorisées par tous nos médicaments qui baissent les défenses pour qu'il n'y ait pas de rejet. Et les infections sont généralement des infections bactériennes venant de l'organisme lui-même. Donc si l'enfant a été beaucoup hospitalisé en décompensation, il a des tas de bactéries horribles multirésistantes. Donc ça peut être des infections qui vont plus vite que nous. Les grosses catastrophes, c'est soit des complications chirurgicales, soit des infections qui sont allées plus vite que nous. C'est jamais, on ne meurt pas de rejet. Hein. Le rejet, ça arrive chez un tiers des enfants à peu près. Ça se voit, ça se diagnostique simplement sur les prises de sang, hein, sur les anomalies biologiques, on fait une biopsie. Et ça arrive parce qu'on donne à tout le monde la même dose de médicaments anti-rejet, qu'on n'a pas mis le même foie, que le foie régénère à des vitesses variables, qu'il y a un métabolisme digestif, il y a un métabolisme musculaire, etc. Et que donc on adapte après ça, une médecine personnalisée comme tu disais tout à l'heure, on adapte en fonction de l'enfant et quand il y a un rejet, et ben on donne en général, ça se traite par corticoïdes et 99,99 fois sur 100, ça rentre dans l'ordre. Et puis on retourne à une dose de base de médicaments anti-rejet qu'on va adapter en fonction du fait qu'il y a eu effectivement un rejet pendant les premières semaines. Alors on rentre à la maison avec une tonne de médicaments comme ça, un peu comme avant, quoi, les mélanges d'acides aminés, le phénylbutyrate, machin, etc. Puis après, au fur et à mesure que le temps passe, il n'y a plus que un ou deux médicaments anti-rejet, des vitamines et de la... Non, plus de citrulline, si, quelquefois de la citrulline. Le régime est normal à partir du moment où il sort de l'hôpital. Il ne faut quand même pas faire comme la maman d'un de mes petits patients qui, à la première consultation après, est arrivée en me disant « Mais docteur Lacaille, vous savez... Le foie de veau, j'aime pas beaucoup. J'ai regardé la mère, j'ai dit, vous lui avez donné à manger du foie de veau ? Mais docteur Lacaille, c'est très bon pour la santé. J'ai dit, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Et j'ai horreur du foie de veau. Donc le régime est normal, pas hypoprotidique. Donc il n'y a plus de consultation métabolique. Alors que par exemple, pour les transplantations pour acide urée organique, il y a toujours un régime hypoprotidique après transplantation. Donc on fait les consultations en double. Les consultations sont de plus en plus espacées. Au début, c'est toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis tous les mois la première année, tous les 2 mois la deuxième, puis tous les 3-4 mois, en gros comme une consultation de maladie métabolique habituelle. Hein. Et il peut se passer des choses à long terme. Hein. Il peut se passer des complications chirurgicales, surtout biliaires, à long terme. Il peut se passer des infections à long terme. Grosso modo, passé la première année, on n'est pas très embêté, hein, en particulier pour les infections, les vaccins contre la grippe, évidemment. Mais par exemple, on n'est pas du tout embêté par le Covid, pas plus que les métaboliciens du reste. Il peut se passer des cancers à long terme, ça fait partie des complications théoriques à long terme, surtout des lymphomes. C'est 5% tout compris de transplantation chez l'enfant. Bon, c'est des choses qu'on cherche. Hein. Il y a plus de chances, comme je dis toujours aux parents, il y a plus de chances que ça aille bien que de risque que ça aille mal. Mais le but des consultations, c'est de chercher si ça va mal. L'enfant retourne à l'école ben, quand il rentre à la maison. Il ne retourne pas à la crèche, par contre, hein, parce que ça, c'est vraiment chercher les ennuis, en particulier la première année.
S'il enchaîne rhinopharyngite sur gastroentérite sur la première année, alors qu'il y a quand même pas mal d'immunosuppression, on est quand même un tout petit peu embêté. Mais il retourne à l'école maternelle, il grandit, il grossit comme les autres, et sur le plan du développement psychomoteur, eh ben, ça dépend des séquelles de ce qui s'était passé auparavant. Alors, combien de temps ça dure? Parce que les parents me disent, mais d'abord, en combien de temps vous savez si la greffe a pris? Je dis, c'est pas tout à fait comme un rosier. Donc, je sais dans les premières heures si le foie marche déjà, hein, parce que si le foie ne marche pas, ça c'est la grosse catastrophe. Hein, ça c'est la catastrophe absolument maximale. Il faut retransplanter en urgence, autant dire que le risque est quand même hein, d'en laisser un sur deux en route. Mais enfin bon, après ça, c'est moi je travaille pour 80 ans, comme je dis toujours. Le recul maximal qu'on a, c'est 25 ans, grosso modo, hein, avec les grandes séries de transplantations hépatiques chez l'enfant. On a l'impression, juste pour un ordre d'idée, une transplantation rénale, il y en a 50% qui, au bout de 13 ans, ont besoin d'une, soit sont retournés en dialyse, soit ont besoin d'une deuxième greffe. Une transplantation hépatique, au bout de 10 ans, il y en a 1 sur 10 qui a eu besoin d'une deuxième greffe. On a l'impression qu'à 20 ans, il y en a un deuxième sur 10. Donc peut-être qu'il y a 10% par tranche de 10 ans qui ont besoin d'une deuxième greffe. S'il faut le faire, on le fera. Et quant aux complications des médicaments, les médicaments, le foie, finalement, c'est un organe qui est un peu pas reconnu par le corps. Donc, les risques de rejet, y compris de rejet chronique à bas bruit, sans modification des tests, sont finalement bien inférieurs à la transplantation rénale, transplantation cardiaque ou transplantation intestinale. Donc, les doses de médicaments à long terme ne sont pas énormes, ce qui fait que les complications à long terme des médicaments, bien entendu, il y en a. Hein, des complications rénales ou des complications infectieuses ou des risques de cancer, mais finalement beaucoup moins que pour d'autres types de greffes comme la transplantation rénale ou la transplantation cardiaque. Mais c'est évidemment ce que je cherche lors des complications. Merci Florence. Et je crois qu'on est venu au dernier point. On a presque fini, c'est ça. Dernier point, Esther. À toi la parole. Alors, les troubles cognitifs, c'est essentiellement de la déficience cognitive qui porte sur l'apprentissage non verbal, la mémoire visuelle, les capacités exécutives qui peuvent s'accompagner de troubles de la motricité fine. C'est dû à l'accumulation intracérébrale d'ammoniac et de glutamine avec des lésions toxiques neuronales et de la substance blanche. Ces lésions peuvent se voir à l'IRM, mais ce qui est important, c'est que ce sont des lésions qui sont tout à fait non spécifiques, qui peuvent être des lésions comme on voit dans les comas post-anoxiques ou les hypoglycémies, avec à la phase aiguë un œdème cytotoxique qui va porter sur les lobes pariétaux, l'insula, les régions prérolandiques et les régions singulaires et des noyaux gris. Il s'agit d'anomalies de séquences de diffusion dès les premières heures, mais également de signal hyper intense en T2 et flair. Au total, c'est pas si important que ça, parce que ça n'influence absolument pas la prise en charge. Un certain nombre de ces lésions sont réversibles et quel que soit l'IRM de départ, la prise en charge va être optimum. Au niveau séquellaire, à la phase séquellaire, il y a des troubles de la myélisation et des destructions de la myéline avec des signaux cicatriciels de la substance blanche, une transformation kystrique, une atrophie de la substance blanche et une ventriculomégalie qui en résulte, une atrophie corticale qui peut être plus ou moins localisée, mais pas localisée, et vraiment générale. Alors le pronostic cognitif, il se fait en fonction de trois paramètres, l'existence et l'intensité du coma hyperammonémique néonatal, la réalisation d'un diagnostic tardif ou le type de maladie. Alors quand il y a eu un coma hyperammonémique néonatal sévère, évidemment, les handicaps et le cognitif et moteur qui en découlent sont d'équivalent de sévérité, avec des enfants qui iront en institut médico-éducatif et qui, a priori, n'auront pas accès à l'autonomie. Les diagnostics plus tardifs, donc avec des formes moins sévères, persistent quand même des difficultés d'apprentissage, qui va tout de même généralement permettre une scolarité ordinaire en classe adaptée dans des unités ULIS, donc des unités localisées pour inclusion scolaire, avec un soutien rédicatif qui va permettre la poursuite de la scolarité.
Alors, je lui ai dit, le pronostic dépend aussi de la maladie. S'il n'y a pas eu de gros coma hyperammonémique néonatal, les déficits en OTC, en CPS1 et en citrullinémie de type 1 sont plutôt de bons pronostics. Les aciduries argino-succiniques vont présenter un retard développemental systématique avec un déficit cognitif qui va nécessiter la prise en charge en IME et plus tard potentiellement en ESAT, donc en établissement et services d'aide au travail, chez les adultes qui vivront alors potentiellement en foyer de vie s'ils ils peuvent quitter le domicile parental. Alors, il ne faut pas hésiter de s'aider d'outils psychométriques. C'est probablement bien fait chez l'enfant. Moi, honnêtement, je le faisais assez peu chez l'adulte. Je le fais beaucoup plus maintenant parce qu'en fait, ça aide énormément pour mettre en place des prises en charge rééducatives précoces, orientées, alors chez l'enfant, dans une scolarité adaptée, chez l'adulte, dans un travail adapté, orienté dans un établissement spécialisé et au mieux le patient est en fonction de ses capacités. C'est, je crois, fondamental d'essayer de mesurer les capacités résiduelles qui peuvent être sur- ou sous-évaluées. En tout cas, moi, je sais que je les évalue finalement pas si bien que ça chez l'adulte qui a éventuellement un bon contact, par exemple, verbal, mais de grosses difficultés organisationnelles dans son travail. En l'absence de déficience cognitive, la scolarité peut être normale, sous réserve souvent d'un petit aménagement de l'emploi du temps en raison d'une fatigabilité qui reste très fréquente. Et donc, afin de mettre en place une prise en charge alimentaire ou médicamenteuse adaptée, ne pas hésiter à faire part d'un projet d'accueil individualisé, donc un PAI, au niveau de la structure scolaire. Merci Esther. On est venu à la fin de ce webinaire. Normalement, il y avait une séance questions et réponses. Je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. On a peut-être encore une petite question, mais je crois que Florence, tu as plus ou moins déjà répondu. Vous proposez un régime normoprotéique directement post-greffe? Oui, dès qu'on peut réalimenter l'enfant. Ok. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais 100 fois de beau, alors. 100 fois de beau. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Entre-temps, je tiens à remercier quand même la filière de santé G2M des maladies héréditaires du métabolisme de nous avoir donné cette opportunité de faire cette présentation. Deuxième chose, tout est à relire dans le PNDS qui est apparu sur le site HAS en juin 2021. Tous les gens ici présents ont contribué à cette rédaction. Et est-ce que j'ai encore oublié quelque chose? Est-ce qu'un de mes collègues ou une de mes collègues... Je vais juste faire un complément, parce que je ne l'avais pas mis sur la diapo. Tu as parlé au tout début, il y avait marqué transplantation d'hépatocytes, thérapie génique, machin chouette. Thérapie génique, je ne sais pas, je ne sais pas mon rayon. Transplantation d'hépatocytes, on a essayé, ça ne marche pas. Mmh. Voilà. Transplantation de cellules souches... Ça reste encore débattu. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas... La thérapie génique ira peut-être plus vite, je ne sais pas. Tout à fait. Bon. La filière G2M nous dit, nous arrivons bientôt à la fin de la présentation. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se joint à vous. Nous restons à l'écoute de vos questions si vous en avez encore. Et il y a quelqu'un qui est en train de taper. Donc on attend encore peut-être deux secondes. Mais cette transplantation hépatocytaire, pour rebondir sur ce, ça a été utilisé à l'époque également pour faire le pont entre les formes néonatales sévères pour arriver à un âge plus adapté et un poids plus adapté pour être greffé. Absolument. Mais effectivement, ils ont eu pas mal de soucis et pas mal de... Oui, on a participé au protocole et franchement, c'est pas une technique, c'est une technique qui est intellectuellement très séduisante. Mmh. Plutôt que d'aller enlever un beau joli foie qui ressemble à du foie de veau du reste, qui est très très beau et où il manque seulement une petite enzyme de rien du tout, et d'en mettre un autre avec les... C'est une maladie chronique, hein, la greffe de foie quand même.
Mais franchement, ça ne marche pas. C'est tout. Hein. Et pareil pour la transplantation auxiliaire, où on enlève juste un petit morceau et on met juste un petit morceau de foie sain. Techniquement non plus, ça ne marche pas bien. Une petite question. Est-il possible d'avoir un certificat de présence à ce webinaire? Je laisse notre filière répondre à ça. Je crois que oui. Voilà. C'est par la sécu. Et je remercie tout le monde qui nous envoie les remerciements. Voilà. Je crois qu'on peut clôturer ici. En tout cas, un grand merci Jean-François, Florence, Claire, Esther. C'était un vrai plaisir. Et à plus tard. Au revoir. Au revoir à tous.